Voilà le détecteur de mouvement d'image. Voilà, nous sommes fini. Voilà, documentation. Tout qui est, c'est du SOMFI, c'est du très simple. Tout est bien expliqué. La caméra, le flash, automatisme anti-arrachement, détecteur, tout est expliqué, le paramétrage. Alors pour l'affectation des zones, le paramétrage pour les zones, c'est tout est beaucoup plus simple de le faire une fois installé, de le faire sur l'ordinateur. Ne pas s'embêter à le faire avec le clavier. Tout est bien expliqué, précaution d'emploi. Test et portée radio. Pour l'installation, vous voyez, vous avez cette petite partie là, que l'on fixe d'abord au mur. C'est un peu différent par rapport aux anciens détecteurs. On fixe cette petite partie au mur. Et on vient clipser après le détecteur de mouvement. Alors 10 cm minimum. Alors les angles 90, toujours pareil, 90 degrés. Détection 10 mètres. Détection infrarouge. Hauteur de la pose 2 m 30. Portée 10 mètres. Mais pour avoir testé et posé, ça porte plus haut même. Le percement, tout est bien expliqué. Le test de détection infrarouge. Avec les applications iPhone ou Android, vous recevez les images une fois la détection effectuée. Voilà, il y a de quoi lire, mais tout est bien. Une fois que vous avez tout lu, c'est très simple à poser. Voilà, ça c'est la petite partie. Alors, c'est pas simple, je tiens le téléphone, il faut que je vois. Partie qu'on fixe au mur. Alors dans un angle ou à plat, on fixe cette partie au mur d'abord et on vient ensuite clipser. Voilà. On rentre ces petits clips là-dedans et le dernier là-dedans. Et ça c'est le détecteur anti-arrachement. Le flash et la caméra. Et je vous garantis que ça fait des très bonnes images. Le flash est assez puissant, c'est super 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 efficace. Sûr, on peut le mettre à plat, vous voyez, on peut le fixer à plat sur le mur. Je vous conseille de le fixer avec la petite partie, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus propre. Et si des fois vous voulez fixer simplement, vous voyez, pareil, il y a des trous là. Des trous là, enfin, on enlève cette petite pastille là et on l'ouvre par dessous et on fixe par ces deux trous là. Voilà, le détecteur de mouvement, le détecteur de mouvement à image.
son fils.